Bon ben ça y est les amis. Jason Corporate. John Guriran. Sébastien Angerbouger. Frédéric Patron Glo et moi-même. Nous sommes ici presque au départ du mythique Trail 401. Stand upright and shed no tears, shed no tears. Oh, you've been living in such a situation. The fighting is your only solution. I can be there to understand. But I will sure will give behind for you and your people against this slavery. Get ready. Get ready. But fighting doesn't help. It only kills. Get the lightning from Georgia. Il n'y a pas de timing de fou là. Je pense que dans 10 minutes c'est l'orage, la mer et les poissons. Enfin bon, le 401 Crested Butte en intégral là quand même. Ah, il va bien. Moi je n'ai jamais fait un chemin aussi inutile que celui-là. Bon les gars, vous êtes prêts pour ce go ride à Crested Butte? Bah écoute, on est au Irvine Lake, a priori ça a l'air d'être de la bombe. Comment il faut faire, vous avez vu? Eh ouais, ça grimpe tout seul. Eh ouais. Ça, vous croyez que ça va grimper comme ça là? Assis le cul dans l'herbe? En timing, on était un peu plus juste. Mais on en
notre petit copain qui nous a fait la descente avec nous. C'est énorme. On se fait quoi ce matin? On se fait le 759. Everybody's dancing, baby, get ready. Oh, yeah, yeah, oh, baby. Whoa, whoa. My baby girl, take my hand, there's something that you got. We're gonna come down dead man's, right? I'm sorry, this is my creep road. This is, I think. C'est bon, on charge pour le Colorado Trail. We are roughly following the creek down, although the trail won't always be right around the creek. Explique-moi un peu. Hermosa Trail. Okay. 19 miles. 21, non, ils avaient dit non, 21, si tu veux. Ouais. 21 de chemin vallonné avec des descentes assez rapides, un peu de pierre une fois de temps en temps, ça remonte. Donc pas de gros dénivelé, mais. On a un peu suivi une rivière, ouais. Par exemple. Ouais. Hein, c'est un peu ça coup, du coup, on s'est éclaté, quoi. Ouais. Du rythme, d'en haut en bas. Single de fou. Single de fou. Hermosa Trail. Ouais. Si les gens veulent savoir, Hermosa Trail. In Baltimore, this is actually not a joke. This is very famous. It's a famous beer, National Bohemian from Baltimore. Okay. Yeah. Famous in Baltimore. You can see the big sign, the big face. Yeah. Good. From my house. John, let me take a photo. From my house, you see the big sign. Yeah. The Baltimore Mafia. it's a brewer, you know, it's the German brewer. Okay. But it's cool. Qu'est-ce qu'il y a? Pâte cassée derrière? Ouais, derrière tordu, pâte cassée. Very cool, Charlie. Very cool.
Très bien. Ah, mais vous savez comment on l'appelle, Fouad, chez nous, le magicien. Conditions très climatiques. On a pris une putain de douche là. Et puis c'est froid. On doit être, je sais pas combien d'altitude, mais on est. Non, mais tout ce côté là, c'est plein de flotte. Alors on a crevé pour la deuxième fois, enfin moi. Du coup, comme on n'a plus de chambre à air et qu'il y a G et Fouad derrière avec les chambres à air, et ben, on a décidé de casser la croûte. Tout à fait. Voilà. Fatigué. Have a good day. Il a crié coffee. Alors on se lève à 6h, on prend le petit déj et tout, super organisation. On décolle vers quelle heure? On mange les tentes, on regarde un peu les vélos, on part vers 9h. On regarde William l'énergie, un peu vite fait, non? Ouais, la télé et tout. 8h15 on est parti. 8h15 on décolle, on attaque une longue ascension de 8h, tu vois. Et après ça a commencé à être un peu plus vallonné. Et c'est là que tout se gâche. On a pris un bel orage. On a pris un orage, il devait faire à mon avis pas loin de 4 degrés parce qu'on a pris des graines aussi. Là j'ai cru que j'allais faire un bon testament. Et du coup on est arrivé premier col, une belle descente, on a attaqué une descente qui a duré bien 20-25 minutes. Bien. Et on est arrivé à Cascade Creek, et là, plein les yeux. Avec le soleil, plein les yeux. On a enquillé sur une petite ascension qui a duré quoi, une bonne heure. C'est là où j'ai abandonné mon coach. Là j'ai abandonné mon coach. Qui était revenu me chercher pourtant dans la tempête de grêle. Bien. Et puis après on s'est fait un peu d'une partie section vallonnée quoi, super sympa. Et sur la fin on a attaqué une côte de bien une heure avec des pétards comme ça. Bon bah là il y a. Ça, ça le fait grave, vous. Je crois qu'on peut manger direct comme ça, non? Oh oui. Vraiment c'est fini. Yeah, show me how it works. What is that stuff you put on there, man? Most of it's wax. Oh, is that what it's called? Are you taking a video? Yeah. Thank you.
pas d'hésitation possible. Et donc on est des professionnels du montage de tente. Je pense qu'en 10 minutes c'est en puis là on a l'emplacement en première classe. Celui-là, comment on les a niqués, hein. Celui-là est beau. Hein, hein. Bon, demain, réveil 5h30. 5h30? Eh ouais, avec le morceau le plus haut en altitude, on va être plus de 2 heures à plus de 4000 mètres d'altitude. Ah ouais. Voilà. C'est pour ça on se couche tôt. Hein. Il fait même pas nuit. Merci. Cinquième jour sur le Colorado Trail, huitième jour sur les chemins du Colorado. Alors, la journée d'hier, c'était comment? Belle journée encore. Hein. Bois. Non, c'était super. Non, hier, combien on a fait de miles? On a dû faire l'une des plus petites journées en distance. 20 miles, je crois. Ouais. Par contre, en France, on a oscillé entre 3500 et 4000 mètres d'altitude pendant toute la sortie, quoi. Donc c'était assez intense, t'avais du mal à respirer, dès que tu faisais un effort un peu plus haut que l'autre, tu étais essoufflé. Oh yeah! Car. Bon, viens voir, je t'ai montré Durango. Allez, montre-moi Durango. Show me Durango. Durango, en bas dans la tête. Solo.
France, décadence, la peur en France. Oh yeah! Ah, ça se fait à pied aussi le Colorado Trail. The business, I just need to check one thing. I appreciate the offer. I'm unplanned. Send it. Oh! Ready? Woohoo! Vas-y, laisse tout ça. Allez, montre. Balance, man. Balance, man. Jamaica, man. Ah, Sanka, c'est parti!